Je déverse ma haine dans un fond d'absolu. J'ai la menthe insolite, donc j'ai pas besoin de simu. Pour faire du cash, moi j'ai pas besoin de sécu. Je passe à l'attaque, donc je deviens assidu. La victoire est archi loin, mais je crois que c'est ça qui m'excite. Tu m'as trahi, gros, c'est rien, mais reviens pas rempli d'excuses. Fico bip bip, ouais, ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. Vas-y, c'est parti. Je me méfie des serpents comme Rico. Et négro, je vois tout comme Fico. Le délire, c'est que j'aimerais bien allumer le ventilo, mais je peux pas. Wesh, l'équipe, c'est parti pour une petite vidéo actu du samedi. L'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du samedi, il y a Lacrim et Nino qui étaient ensemble en studio hier. Enfin, hier ou aujourd'hui. C'est une info qu'on m'a envoyé en privé. Donc je pense qu'il y a un truc qui devrait arriver entre les deux. Ensuite, on a Jian Cherry qui a clashé la fille Booba, Luna. Et c'est un truc qui a pas mal tourné, puisqu'en fait, Booba, il l'a mis en garde juste après. On peut voir que Jian Cherry l'a dit. Booba, tu parles de Maeva, mais tu penses que ta fille va finir par manger du caca à Dubaï? Point d'interrogation. Et là, en gros, eh ben, il est en train de comparer Maeva Ghennam avec sa fille Luna. Et on peut voir que Booba, il a dit. Jian Cherry, tu vois ce poste? Encadre-le, accroche-le dans ton salon. Et embrasse-le tous les jours. C'est ta nouvelle Bible. Et il a mis un drapeau pirate. Donc là, je pense que Booba, il va pas le lâcher par rapport à ça. Dédé. Je sais pas si tu la sens arriver, ma gueule. Mais le boulot, il va être fait, ma gueule. Ah. Et là, je te parle pas. Le boulot, il va être fait. Crois-moi. Et on peut voir que juste après, il a mis en garde Caris. De le terminer tout simplement. On peut voir qu'il a dit Caris, ta fin va être douloureuse, Zongo. C'est ton père qui te parle. Et il a publié un passage du clip avec Kobalade, tu vois, qui est sorti il y a quelques jours. Et juste après, il a piqué Frenglish. Il a dit Frenglish, ton son avec Passepartout, il s'est passé quoi? Point d'interrogation. Et juste après, il a dit Frenglish, il s'est envolé. Et en gros, il dit ça parce que les morceaux Cocolia et Sans Volume de Frenglish et Didi B, ils sont plus disponibles sur Spotify. En gros, ils ont été supprimés. La version officielle de Didi B, le morceau Cocolia, a été supprimé. Et c'est pour ça que Booba, il a dit ça, tu vois. Parce que, il y a le featuring avec Frenglish aussi qui a sauté. Et juste après, Booba, il a piqué Nasdas. Parce qu'en gros, Nasdas a publié une vidéo avec Golozer et un membre de son équipe, tu vois. Et il a écrit... Qui est le plus intelligent entre les deux? Et il fait un test d'intelligence entre les deux. Et on peut voir que Booba, il a dit, ça, c'est vraiment une vidéo de gros FDP. Et regardez la vidéo. Et Richard, à ton avis, qui est plus intelligent, toi ou Mansour? Toi? Vas-y, attends, toi, si tu dis c'est moi. Oui. Et je vais vous poser une question, d'accord? Quelle est la capitale de la France? Macron. Président. Mais là, il n'y a plus de limite, en fait. Ensuite, aujourd'hui, on devrait avoir les résultats du jugement de MHD. Puisque je rappelle qu'il est jugé pour meurtre depuis justement le début du mois, tu vois. Et que c'est un jugement qui a duré plus de 20 jours. Et là, en gros, on devrait avoir les résultats aujourd'hui. Et je suis tombé sur un article, et c'est un article qui a été publié aujourd'hui. Et à ce qui paraît, c'est ce qui a été dit aujourd'hui. On peut voir que c'est écrit. Élément boiteux, critiquant les réquisitions prises sans aucun discernement. Monsieur Harfi fustige, le néant du dossier. À l'intérieur, il sent mauvais, lance l'avocate. Pour qui tous les éléments à charge contre son client sont boiteux. La Mercedes, il l'a prêtée régulièrement à son entourage. La teinture blonde, un loup qui n'a rien d'extraordinaire dans la cité. Le jogging Puma, la plus grande escroquerie de ce dossier. Ça fait 5 ans qu'on sait que les policiers ont raconté n'importe quoi, en disant que ce Puma était réservé aux ambassadeurs de la marque. Déroule l'avocate. La société a identifié par la suite le modèle à la demande des enquêteurs. Et contrairement à ce qui a été dit, ce n'est pas un modèle réservé aux ambassadeurs. Et voilà. Donc là, en gros, ils font référence au jogging de la personne qui était sur place, tu vois, qui a fait polémique. Et ils ont clôturé par. Et les témoins ayant affirmé reconnaître le rappeur. Ce ne sont pas des témoins qu'on peut recevoir comme des preuves. Observe à son tour M. Veil, estimant, comme tous les autres avocats de la défense, ayant plaidé avant lui que ceux-ci, issus de la cité rivale, manquaient d'objectivité. Il n'y a pas témoin qui dit « J'ai vu MHD, je l'ai vu de mes yeux vus », insiste-t-il. Vous êtes sur un terrain judiciaire très glissant, qui se construit à partir d'une rumeur, avertit le conseil. Or, cette rumeur, ce procès, ça ne serait pas passé comme ça, si ça n'avait pas été lui. Le verdict est attendu samedi. Et voilà. Donc en gros, le verdict est attendu aujourd'hui, tu vois. Et là, il est actuellement 20h, 21h au moment où je tourne cette vidéo.
et il n'y a pas encore eu de verdict officiel pour l'instant, ben, qui a été mis en tout cas sur les réseaux, tu vois. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, il y a un bout de passage d'interview du roi Enoch qui est en train de tourner un petit peu partout. Parce qu'en fait, il a parlé de la loyauté de Gato pour Booba, tu vois, malgré tous les clashs qu'il a, etc. Et il l'a fait directement en interview. Et pour ceux qui n'ont pas vu, c'est en train de tourner partout. Regardez. Mais les Haïtiens, c'est un gros peuple et y a rien de plus chaud qu'un Haïtien, rien de plus chaud. Rien de plus loyal et rien de plus chaud qu'un Haïtien. Lorsque tu marches avec des Haïtiens comme il y a deux autres qui marchent avec... Gato. Il y a Gato. Il est en sécurité tout le temps, même si tout le monde veut le planter, tout le monde veut casser sa gueule, tout le monde veut foutre des calottes. Ouais. Mais son entourage, il sait qu'il est avec les Haïtiens, il est bon, tu vois. Donc, grosse salutation à Gato. Tu vois, il est chaud bouillant. SDM, chaud bouillant. Tu vois. Grosse salutation à tous mes putains de frères. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche, l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. 30 grammes, moi j'ai dans les couilles. Tiens, toi dans ta tête à la douille. Bon, ça vous ça craque, c'est un pack. Le fusil est black, il est caché en bas. La bosse fait des bulles et mon joint se diminue. Fais pas l'ancien, ma gueule, t'es qu'un légume. On connaît ta réplique pour la gagne, on t'éteint. Y'en a pour le buzz, ils vont tuper, j'm'en balais que si j'suis pas des cas. Devant les buts, j'vais pas louper, fais-moi la passe. Si ça marque, on arrive fort, donc balais ouais. Certains valident pas, j'arrive fort, donc balais ouais. Certains valident pas. Ouais, la victoire est archi loin, mais j'crois que c'est ça qui m'excite. Tu m'as trahi, gros, c'est rien, mais reviens pas rempli d'excuses. Bon voilà qui 60 ressorts aujourd'hui, comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit peu plus de référencement que tu en penses dans les commentaires. Comme d'hab, si t'as pas de mettre un commentaire, tu mets un propre là, c'est juste pour référencement. Ouais. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo que tu te fais une semaine. Je te dis à sur fond, bien croustillante, une vidéo et une belle exclue. Voilà, le minute croustillante, je l'ai graillable, je l'ai mangé quoi. Ouais, c'est un truc de ouf. Peace les gars. Dans ma tête, ça suit pas, je vais anticiper. J'ai vu que le même me plaît pas, je me suis dissipé. L'hiver, j'enfile le cache-nez, je fais que débiter. J'en ai fait des passes des, je traîne qu'avec des vrais. Des millions et millions bloqués dans ma tête. Des visions de litron, je veux pas que ça s'arrête. Ils font tous les bandits, mais n'ont rien compris. Il suffit d'une bastos pour t'enlever la vie. On sait c'est quoi la pure, comment la vendre, comment la couper. Et ça depuis petit peu déterminé à tous les crayables. J'étais là quand j'y caillais, je voulais jouer, j'ai pris un karma. Solo dans le carré, je finis ma soirée sous canard. Bandita, elle est abonnée, fais jamais ses soirées, pas compliqué. Elle veut un mec fortuné, lui il a faim d'elle, il sait qu'il va la tartiner. Puis il s'attache, elle repart avec ses lovés.